bientôt, sujet de train de mémoire, 93 ans. Et elle est toujours là. Ah, si tu veux dire quelques mots, pas de problème. Pas trop long, hein. On me donne le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire avant? C'est vrai, fils. Non, alors chanter, non, ils ne sont pas là. Ça vous aide. Je chante très fort, parce que j'ai plus 18 ans, je suis en 5e. Non, enfin, je suis là. Voilà. Je suis là. Alors, je vous chante un peu quand je ne chante pas comme j'étais jeune, mais enfin, je vais essayer, quoi. Voilà. Nous
convertis par le monde. Personne ne nous a convertis, parce qu'on était seuls, une seule caravane, quand mon frère a été guéri. On était tout seuls, il n'y avait pas de mangue, il n'y avait personne. Maintenant, si tu veux se faire baptiser, c'est très simple. On suit un serviteur et on nous baptise. Mais nous, ça a duré 2 ans. Mais baptisé du Saint-Esprit, ça a duré 2 ans pour être baptisé. Ça a commencé à Lisieux. Et alors, impossible d'être baptisé. Donc mon frère a été guéri par un prospectus qui a été donné à maman. Il était très malade. Il a été opéré. Quand il a été opéré, il n'avait plus rien à faire. Et alors Jésus l'a guéri. Quand elle a reçu la Bible, elle a reçu la parole de Dieu. Elle l'a gardée dans son cœur. Et Dieu nous a aidés. Il a été avec nous jusqu'au bout. Et il a guéri mon frère. Et regardez maintenant, d'une seule caravane, une seule famille, famille du Ville-Renard. Regardez des millions et des millions. Et combien de serviteurs, combien de serviteurs, combien il y en a qui causent dans l'ombre, qui travaillent pour le Seigneur sans que personne le sache. Vous savez, Dieu c'est une grande personne. Et celui-là qui se confie en Dieu n'est pas déçu. C'est un grand Dieu. Alors ça fait donc bientôt 73 ans qu'on appartient à Dieu. Mais sans être baptisé, on a été baptisé en 52. Personne ne voulait nous baptiser à nous. Les gardiens ne voulaient pas. On faisait toutes les réunions de la Normandie, pas de baptême. Alors mon frère, un jour, il a dit, moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un baptistère nous-mêmes et on va se baptiser. Voilà. Moi, je vais baptiser ma femme, Pounette. Et elle, va me baptiser. Après, moi, je baptiserai mes frères et mes soeurs, mon père et ma mère. Et Dieu ne trouvera pas à dire parce qu'il faut être baptisé d'eau pour être sauvé. Le Seigneur a dit qu'il faut être baptisé d'eau et d'esprit pour être sauvé. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Recevoir l'amour de Jésus. Amen. Si vous souriez combien l'amour de Jésus est grande, elle est forte. Elle nous a tenus jusque-là. Alors moi, j'ai bientôt 73 ans, mais je suis encore là. J'ai plus de jambes parce qu'il a attrapé le, comment on dit ça, ça j'ai maintenant le Covid. Et puis ça a tombé dans mes jambes. Mais heureusement, je n'ai pas perdu ma tête. Ma tête, je l'ai gardée. J'ai gardé ma mémoire. Je remercie le Seigneur Jésus. Parce que je peux m'expliquer. Et je peux dire ce que Jésus a fait pour nous. Voilà. Alors, tout ce qui nous a suivis, nous, nous n'avons pas été suivis par le Cossack. On a été suivis, nous, par Ribaud, un gardien. Qui nous suivait, il nous faisait des réunions. Il travaillait, quand il venait vers 6 heures, il nous faisait des réunions jusqu'à 2-3 heures du matin. Ça ne nous faisait rien, au contraire. On avait soif de la présence de Dieu. On avait tellement soif qu'on était content d'entendre Jésus. Ah, Seigneur, c'était une grande... À ce moment-là, c'était quelque chose. C'était Jésus descendu du ciel qui vivait avec nous. Il travaillait avec nous. Il était là. Alors, comment voulez-vous pas croire à Dieu? Et on croira jusqu'au bout. Jusqu'à qu'il reviendra nous chercher. Et on attend ce jour avec impatience. Alors, j'ai plus grand-chose à vous dire. Je vous dis que Jésus est bon. Et je peux vous dire que quand ça a commencé, qu'on était seuls, seulement 10 personnes. 6 enfants, mon père et ma mère, et les 2 belles-filles. La mère Abaka, hein, et puis Pounel. Voilà, on était 10. On a commencé avec ça. Et je pouvais me croire que ces 10 personnes
Eh bien, ils ont fait du dégât dans le monde. Je vous assure, ils ont fait du travail dans le monde. Donc, c'est qu'on savait qu'il y avait des manouches, qu'il y avait des grandiers, n'importe où, on causait du Seigneur, et les gens se convertissaient. On n'avait pas besoin de causer 100 ans, on disait quelques paroles et ils se convertissaient. Pourquoi? Parce qu'on avait Jésus avec nous. Voilà. Alors je bénis le Seigneur, je vous laisse avec ça. Alors surtout mes frères et mes soeurs, soyez fidèles jusqu'au bout. Parce que Jésus vient bientôt. Et on l'attend avec impatience. Il va venir, on va laisser cette terre de misère, de souffrance. Il n'y a plus rien qui compte pour nous, que Jésus seul. Regardez, j'entends que les hommes qui disaient ça hier, hier soir, je les ai entendus, et ce soir, là, qui disaient, dans tous les pays du monde entier, la parole de Dieu est propagée à cause de nous, des pilleurs comme nous. Vous voyez pas? Des pécheurs comme nous, c'est vrai. C'est vrai, parce que nous, c'était pas les hommes qui gagnaient, c'était les femmes chez nous. Et bien, on a laissé tout ça pour Jésus. Amen. On lui a tout donné. Et Jésus nous a donné par-dessus tout, parce qu'on est aussi bien que les autres. Allez, je bénis le Seigneur, et que le Seigneur vous bénisse à tous. Un, deux. Goûtez. J'ai eu le privilège, pour moi c'est un privilège, que fils m'excuse. Et c'est là dans le gay. Moi j'écoute 5 heures avec mon fils. C'est comme Pierre ça. Paul parlait bien, mais Pierre c'était mieux. Alors, moi j'ai eu le privilège de prêcher pour la vieille soirée là, sa mère au frère. Il a pleuré, frère. Et je me suis dit, on dit bien ce que j'ai prêché pour ce soirée-là. C'était un honneur pour moi, j'ai dû demander. Et dans le plan de Dieu, Dieu d'architecte a fait un plan. Et dans le plan, Dieu a commencé, a dit, je vais commencer par les deux villes. C'est eux. La racine. Hein, gloire à Dieu, alors que Dieu l'a béni, gloire au Seigneur. Vas-y, la vie, Dieu bénisse, mon soeur. Attention, attention, vous avez on a besoin. 93 ans. On peut l'applaudir. Tout à l'heure, le frère frisé, vous vous rappelez, je l'ai frisé. Lève-toi, frisé, s'il te plaît. Alors, il a déjà un mot, le frère. Il a 92 ans, le pasteur. Encore un miracle du Seigneur. Hein, il a dit un mot tout à l'heure, gloire au Seigneur. Maintenant, gloire au Seigneur, moi je vais laisser la place à Tarzan. Non, à Tarzan. Ah non, non, excusez-moi, Tarzan. Mario, il y a un petit mot, c'est le frère Amans. Vous voulez l'entendre? Bien. Hello. Bien, bonjour à tous. Bien bonjour à tous, que le Seigneur est encore parmi nous ce soir. C'est une grâce, c'est une bonté, c'est un plein d'amour, c'est une joie de voir si tant de monde que le Seigneur a béni et qui bénit encore. Je vais vous savoir quelque chose, je m'en souviens de cela, il y a des années de cela, j'avais 16 ans. Le voilà. Sino, mort par Alice. Le voilà à cause de tous les gens qui sont ici. C'est à cause de lui. Le Seigneur l'a choisi. Il a tombé malade, c'est vrai. Mais le Seigneur a été pour chacun d'entre nous. On peut dire cela, gloire à Dieu. Lorsqu'il est tombé malade, le médecin a pu dire son amère, madame, c'est fini pour lui. Regardez voir comment le Seigneur est tellement bon. Lorsque ma mère a descendu de l'hôpital,
Mais là, il y avait un homme de Dieu, je l'ai connu des années, des grandes années, cet homme. J'avais 16 ans, je m'en souviens de cela. Allez passer devant un homme sur le marché, et là, il a donné un petit morceau de papier, il se le barre, non ? Il était grand pour chacun d'entre nous, ce petit morceau de papier. Et ce petit bout de papier-là, il est encore en route pour chacun d'entre nous. Parce qu'avant que le Seigneur vienne, il y a des âmes encore à sauver. Et nous voulons cela. Mes amis, mes frères, mes sœurs, que vous êtes là, c'est à cause de lui. S'il ne mourra pas, on peut bénir le Seigneur, parce que le Seigneur est tellement bon, il est tellement amour, et pour chacun d'entre nous, je dirais les choses que j'ai pu voir de Dieu. Ce n'est pas possible. Je garde ça pour moi. Quand il m'a engueillé. Écoutez-moi, j'étais père de famille de 10 enfants. J'ai élevé mes enfants d'une bonté, d'un plein d'amour. Et on était tous au Seigneur. Je bénis Dieu, pour cela j'ai perdu ma compagne. Ça fait 7 ans. Mais ce n'est pas pour ça que je lâcherai le Seigneur, non, pas du tout. Ou qu'il y a une réunion, mais j'y suis. Gloire à Dieu. Je n'ai pas peur de faire 50, 60 km avec mon auto, mais j'y vais. Parce que le Seigneur, il est en nous. Et pour vous aussi, pour chacun d'entre nous. Mes frères, mes sœurs, soyons prêts. Le Seigneur viendra, quand il viendra, il nous prendra avec lui. Vous savez-vous combien qu'il y avait baptisé d'esprit à l'époque? J'arrête là. Ah, il n'y avait pas tellement, je m'en souviens de cela. Il y avait donc Mans, mon frère, le premier serviteur qui a eu de tout le roi entier. Mans, mon frère, qui a été baptisé d'esprit, ainsi ma mère et ainsi moi. On était trois à l'époque, dans les années 50. Il n'y avait pas d'autres, que trois seulement. Et après, ça a grandi. On est venus sur tour. Tous mes parents, du côté de ma mère, ils sont tous donnés à Dieu. Et c'est moi qui les ai convertis. J'arrête là. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur, il soit toujours avec nous. Et commande dans la prière. Amen. Et dans la bonté de Dieu. Vous savez, moi, je suis un petit chrétien, je ne suis pas grand. Mais où je passe, il y a quelqu'un qui parle du Seigneur. Amen. Ça qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. Et que le Seigneur nous bénisse ensemble. Et gloire à Dieu. Amen. Amen.